Il la belle annoncia la nous la majeur. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire Seigneur, par ton autorité, nous condamnons toute langue accusatrice, 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 toute Zacharie est arrivé. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de fer tout autour. Alléluia. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Mani et Djokba Toto a pour clando. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous ceinturer par son miracle de feu. Thank you, Jesus. Il a écrit dans Somme 31, le verset 15. Oubla les salmos, bagba les tablaton, voreka. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Et vous nouez mes yeux, Abeto. Tu es mon Dieu. Wenyenye maou. Alléluia. Amen. Tu vas te confier à Dieu ce matin. Nous aimons la chose que tu as signé Abeto là l'indécaya. Continue le verset. Alléluia. Nous allons continuer le verset.
Le verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Yeah. Amen. Délivre-moi de mes ennemis. Alléluia. Et de mes persécuteurs. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce nouveau mois de février, yes. Nous allons demander de nous délivrer des ennemis, de nos persécuteurs, ceux qui nous veulent du mal. Tu vas élever ta voix ce matin, tu vas dire à Dieu de te délivrer des hommes méchants. Que sa présence se manifeste au milieu de nous ce matin. Pour réveiller nos dons spirituels. Pour des signes de miracles ce matin. Pour des guérisons. Élève ta voix, puis invite la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Invite la présence de Dieu. Pour les signes de miracles ce matin. Seigneur, merci ce matin, car nous sommes sains et saufs devant ton trône. Merci de ce que tu nous as conduit dans ce nouveau mois de février. Merci de ce que je vois encore les visages des frères et des sœurs. Merci parce que tu nous as préservés, tu ne nous as pas abandonnés. Reçois honneur et gloire au nom puissant de Jésus. Acclamez tes fois pour le Seigneur. Alléluia. Et l'Église Christ, soyez tous les bienvenus dans ce nouveau mois de février. Alléluia. Le mois-là est déclaré le mois des bénédictions surnaturelles pour la domination. Alléluia. The month is declared as the month of supernatural blessing for dominion. Alléluia. Alléluia. Donc, je veux que quelqu'un soit libre dans ce mois de février parce que le Seigneur va te bénir. Il va te bénir pour que tu aies la supériorité, la domination, le règne dans cette génération. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons rapidement apprêter nos dîmes et nos offrandes que nous allons présenter à notre Dieu. Tu vas parler sur ta dîme, sur ton offrande. Tu vas lui dire, mon Dieu, c'est le mois de ma bénédiction. Tu dois me bénir dans ce mois. Tu dois transformer ma vie dans ce mois pour que je règne, pour que je domine. Tu ne commences pas à parler sur tes dîmes et tes offrandes. Alléluia. Et pour ceux qui ont des témoignages, vous allez vous approcher du frère Mike pour vous donner vos témoignages. Alléluia. Et après la louange, il va vous appeler pour que vous veniez glorifier Dieu avec
vos témoignages. Alléluia. Donc, parlez maintenant sur les offrandes et les dîmes. Rabba sokata la bragadia. Limbra sokete le bragatori kata la bragadia. Il est écrit, ne venez pas dans ma maison les mains pour douille. Seigneur, je prie ce matin sur toutes les offrandes de ton peuple. Je demande, mon Dieu, mon Père, que le sang de Jésus sanctifie ces offrandes. Que le feu les consume et que ces offrandes dégagent de bonne odeur jusqu'à tes narines. Seigneur, je déclare que ces offrandes, oh Rabba Sakata Labrakadia, sont comme des parfums de bonne odeur devant toi. Je déclare, Seigneur, que ces offrandes soient acceptées et agréables à tes yeux au nom puissant de Jésus. Je prie en même temps sur toutes les dîmes, Seigneur. Je demande que tu respectes, que tu réalises tes promesses concernant la dîme dans la vie de ton peuple. C'est-à-dire, apporter les dîmes dans ma maison. Pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous. Pour voir si je ne vous bénirai pas, Seigneur. Ce matin, accomplis cette parole. Ouvre les cieux sur ton peuple. Arrose les œufs de nos mains. Pour la fécondité, la fructification, la multiplication et l'expansion au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, merci de ce que nos dîmes sont acceptées. Nos offrandes sont acceptées. Et nous sommes bénis au-delà de nos attendements au nom puissant de Jésus. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Donc, nous allons louer Dieu. Dieu qui nous a conduits depuis lundi jusqu'hier soir, alléluia. Il a fait de grandes choses au milieu de nous. Il ne nous avait pas abandonnés. Il a ouvert des portes de prison, des gens étaient sortis. L'abracata, l'abracatiha. Il a enlevé les limitations, les stagnations, alléluia. Il nous a revêtus de nouveaux vêtements. Les vêtements de prison, de captivité sont brûlés au feu. Et hier soir, il nous a donné les clés du royaume des cieux sur la terre. Les clés qu'il faut pratiquer pour ouvrir les portes de paix, les portes de percée dans ce territoire, dans ce monde. Il nous a remis ces clés-là hier. Alléluia. Amen. Donc ce matin, qu'est-ce que tu as fait? C'est de danser pour lui. C'est de le louer parce qu'il t'aime et il te révèle des choses cachées. Alléluia. Amen. Donc je vais vouloir que tu te lèves sur tes deux pieds. Je veux te voir t'échauffer un peu. Alléluia. Échauffe-toi, dis Seigneur, je suis prêt pour danser. Je vais danser comme le roi David. Je vais danser comme le roi David ce matin. Ah, est-ce que je peux voir quelqu'un sur ses pieds? Alléluia. Amen. Les bras au kata, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et te fomo bobo mi me kutie me o ma uga mi dagbe na o ayaye ayade mi edulo ayade mi edo mi me kutie me o ma uga mi dagbe na o ayade mi edulo et te fomo bobo mi me kutie me o ma uga mi dagbe na o ayaye ayade mi edulo ayade mi edulo mi me kutie me o ma uga mi dagbe na o ayade mi edu ede fomo bobo o mi me kutie me o ma uga mi dagbe na o ayaye ayade mi edulo Alléluia, alléluia. Nous sommes au bonus, non? Madame habite au café. Titre ni Manasse. Alléluia. Mon bonus, non? A dit le YouTube. Alléluia. Nien kafo, nien subowoda, nien. Alléluia, ma oupe dorme nyo, nyo nyo li de gbeda. Mie kafo, mie subo woda, mie di alléluia. Ma oupe dorme nyo, nyo nyo li te beda. Hallelujah, come on.
kuno le duwe akwa kwa beng ba no fi ko le sino no pato le fura le so le ga kwa me nene no le duwe ano te placer vire vire alleluia na no jo ano improviser na jo le santana ko ba no te le fi ko le sino santana so go ba le kude mi jo le ga kwa me oho alleluia mu nyo nyo surprise na matin amen. Alleluia, ma wupi dominio, nyo nyo lina mitebe, e mie kafuo, e mie subwada, miti alleluia, di alleluia, ma wupi dominio, nyo nyo lina mitebe. Emye kafida, emye subada, miti alleluia, mawu pe domenyo, nyonyo lina mite peda, mawu ana nyala wuno alisi wahanyo na wu. Mawu ana nyala wuno alisi wanyo na jika mega jika me jika mega o jika mega cho nebiele Yesu bako mawu ana nyala wuno anyo jika mega cho towo mawu ana nyala wuno alisi wanyo na wo mawu ana nyala wuno alisi wanyo na jika mega chofo wo nediele Yesu koko mawu ana nyala wuno alisi wanyo na wo kwa yenye miyamawo eye wojebe na wakafwe yepe nubla nipo pota wasinu dowo wakafwe kwa yenye miyamawo eye wojebe na wakafwe yepe nubla nipo pota wase nuda wo wakafwe noko no yepe dawa wo e wase nuda wo wakafwe yepe nubla nipo pota wase nuda wo wakafwe e noko no e yepe dawa wo wase nuda wo wa wakafida hey wase nuda wo waka e noko no le awo yepe dawa wo wase nuda wo waka nukono nukono yenye epeto wowo wakafu apeto wowo wakafida pasinu dawo wakafin kafu mawu dae kafu mawu dae kafu mawu todi meke kafuma uchodi meke dai kafuma o kafida kafuma o dai kafuma o todi meke kafuma uchodi meke dai me kafuma o kafuma o
Kafuma o, Kafuma o, yeah, Kafida, amen. Kafuma uchoti meke dai, Kafuma o, Kafuma o, Kafuma o, dai, Kafuma o, choti meke, Kafuma uchoti meke dai, sera, fiala, fiala, eh. Waka fwame nuveve, fiala. Fiala, 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 eh. Waka fwame nuveve, fiala. Fiala, 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 eh. Waka fwame nuveve, fiala. Fiala, 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 eh. Waka fwame nuveve, fiala. Meka fwe, waka fwame nuveve. Fiala, waka fwame nuveve, fiala, fiawo nyelo, fiala, 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 haleluya, waka fwame nuveve, e fiawo nyelo, fiala, 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 e, waka fwame nuveve, fiala, e waka fwame nuveve, fiala, waka fwame nuveve, fiala, e, fiala, 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 e, e. Waka fwame nuveve fiala, 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 eh. Waka fwame nuveve, waka fida, waka fwame nuveve fiala, waka fwame nuveve fiala, fiawo nyelo, fiala, 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 eh. Waka fwame nuveve fiala, 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 eh. Waka fwame nuveve fia. Eh, pedeche, 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 pedechilo, pedechilo, pedeche. Kafida, kafida lo, kafida, pedeche, kafida, pedeche. Subara jihane duwene kafida derete d'un sur le chat certains sur le cheval nous comptons sur l'éternel des années car il ne trahit jamais d'un sur le chat certains sur le cheval. Nous nous comptons sur l'éternel des armées, car il ne trahit jamais. Et nous comptons sur l'éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous nous comptons sur l'éternel, nous comptons sur l'éternel des armées, mais nous nous comptons. Nous prions, nous chantons. D'autres sur le chat, certains sur le cheval, mais nous nous comptons sur l'éternel des armées, car il ne trahit jamais. D'autres sur le chat, certains sur le cheval, nous nous comptons sur l'éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous comptons sur l'éternel, mais nous nous comptons, nous prions, nous chantons, nous comptons sur l'éternel, nous nous comptons sur l'éternel des armées, oh, le passe qu'on sur l'éternel des armées. Les chantres comptent, nous nous comptons sur l'éternel des armées. Amen, alléluia. Le bâton sur l'éternel des armées. Alléluia, alléluia. Le pianiste sur l'éternel des armées. Alléluia. Les fidèles sur l'éternel des armées. Ensemble, les chantres comptent sur l'éternel des armées.
soit la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, la gloire, à celui qui est sur le trône. Hey! À toi la gloire, à toi la gloire, éternel des armées. Oh, oh. Sera, hey, sera, sera. Midi le dit, Mika Fila. Mika Fida, hey, allez, Mido Mau Kareti, allez, 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 Mika Fri, allez, 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 Mikafila, fieta, fieta, hey, midireti. Mikafila, ale. Miduma ugadeti, ale, 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 Alléluia. Voici qui est là.
Amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, praise the Lord. Dis ma pauvre, si le dit alléluia. Oh, praise the Lord. Mawira on nous dit alléluia. Et mes carré dibé, allez Kenya bakou mien le podi jo nous dit di po ha gli bakou di jo. Et hier mes carré dibé, hier di po gli bakou di jo a. Et ben nous nanao. Et ben yaira o. Et ben nous kunu o. Wa jole mi adome. Amen. Nia yeji ye mi atrode subo subo ba pa bubu. Nia ko mon popo ya akona meiko ojibe you are there say amen. Ma wule wonu ganga ole mi abagbe ome. Eye mi abe sister ese be you are there say amen. Alléluia. Alléluia. Et Gabobé a dit la date, pénalement, tout bas. Et dit la date, pénalement, de pas au cours, ma belle, à bêta. Et dit la date, pénalement, de nous gants, cobelo, les pognemi. Et année passée, mon fanan, que le corps. Et à quoi le don pour l'an, mouille condi, toque et au dos, c'est un patapata, ben l'eau, la n'y a pas. Et comme vous le connaissez, ma wenye doyola. Et ma dak bena ma obena. Et puis avant, il y a quand même mi-dé, et puis il y a quand même le février, mais il y a pas ça, quand même. Alléluia. Dieu ma dak bena. Glory be to God. Et kaye tia. Je la dak bena gane na ma ou. Et somen ke mi le ya. Je la dak bena ma ou. Ma ou le wawana mi. Ne ma ohun mi abe gbogbon mi ko na mi anu kele joa bi matin. Hallelujah. Anu ke mi agbara ma we pe ni ba pe. Amen. Amen. Kula hun le dia me oh. Vo anyi soto so meni ke mi de va ya. Mu fana mo. Mu so hun ma kokon na ve dare sukulu. Ne mu so hun amle ya. Atikala no sum. Atikala sum ka ka nyim se gomo. Nimbe o. Anu kele jo. Mbe a obe. Ma wonyi jiru la beno gbadu etan ma vem ni so point comme ne ne ko belon kaka kaka ka na jeudi matin ba kokon no ale school ma do mi pistol ma ha kona kwa e ho an to pe zuro kaka ven note ni en sende ko gbo mo dogbera mo problem kokon no ave dare school gbagba na ne ko mo dogbera kaka mba da home embe a obe aje be ma wule o sinyi na be ndola dagba e ndo do me a ambe ke lava do lim da nu va me ke lava do lim an pa vo ke va de kuku ne be na de kuku gan be na ne na be ma so hun ya so yi agbede gbo ne ma ipo be na nu ke le o hun ama parce que nyem se ne pe gom ma wulo lo amen ye mi ya o check in hun akeke hun nyem nya fi ke nyeku to fi nyemi la nu egbe o ata ya meni akikim ele si benem pe londe kwa ehun ala wo ku do mbi kwa ata ameni akikim nyem se goma nyem nyere ke magbleru nyem se goma ele obije nto na obena no lole ata ya meni akikim yo doli na jiko ma da pe na ma o haleluya beye woto haleluya Emma Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Yes. We could do lo. Wame. Nuveve dolina. Thank you, Jesus. Yes. We could do lo. Wame nuveve dolina ne menye weli namo Jesus ne menye wasiele nyepeti wode ananye
La Bible déclare que c'est par sa miséricorde que nous n'avons pas été engloutis par l'ennemi. Et la Bible déclare qu'il nous marque avec le sceau de l'onction. Et il ne permet à personne de nous faire du mal. Je déclare sur la vie de la sœur Essé et sur la vie de tous les élus du Christ que vous êtes couverts par la miséricorde de Dieu. Amen. Vous êtes couverts par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun mal ne vous frappera. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est scellé par le Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et que ma voix de Fiana et ba messia mina, chaque dimanche, miano di dacia, n'y a dit genève, ma ou nano, nous kuno le miabag. Amen. Et la ma ou medona nuko, y'a bedon moi sous sourentier, et y'a ta, cosira sia cosira mea. Yes, Lord. Ma ou na don quoi medit. Amen. Et y'a nani wo. Amen. 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 Acclamez tes efforts pour le Seigneur. Alléluia. L'embrasse au kata la basha katia. Seigneur, tu es glorieux, tu es magnifique. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Merci, Thierry. Alléluia. Merci, Thierry. Moi, je suis Je suis bon. Il a bêté mon nom et a dit nous qu'un n'est pas pour dominer tes mots. Et les clovilles et les clovilles et bon. Et ce va falloir cesser ce chômier par où doit qu'à dit. Souboye ou à maou le gavouvoir. Il recommande à quoi moi et qu'il a attis au galanti. Il recommande à quoi moi et qu'il font la me coucou tout le monde n'est pas. Il a commis à quoi moi qui n'ai les fiosic, il a dit. Et il n'a pas les qui donnent le sous-boyama. Et il n'a pas le sous-boy qui sont dit à son nom. Métro, nao. Maou, métro, nao. Métro, nao. Maoumetro nao wenye le mama ou maoumetro nao mebemetro nao maoumetro nao metro nao maoumetro nao. Metro nao. Maoumetro nao. Wenye ble mamaou. Maoumetro nao. Metro nao. Metro nao. Maou, mets-toi.
No te da ti ro ko yo so abagbo so na Jehovah ma wa ye be ngbedodo ekebe do la gbagbo ti a ma to po gbere o e la be ngbedodo ni eh gbakudo amen hallelujah so subo subo ni ma wa le denke ni ya subo le kapopo ya e la be ngbedodo ka ko be do le gbakudo ba gbe ti subo le kapopo ya hallelujah ye to ma no na nu kenye gbakudo ni la te ma o Hosanna, Hosanna, hallelujah, glory, glory. Lembra su catalabra, kadosh, 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 kadosh. Lembra su catalabra, gadia. Lembra su catalabra, gadia. Reçois honneur et gloire, mon Dieu, mon Père. Mets-toi en haut, mets-toi en haut. Maou, mets-toi en haut, mets-toi en haut. Mama we hale gbegbe nechi hale gbegbe nechi metona gbere o ble mama we hale gbegbe nechi hale gbegbe nechi metona gbere o Ble mama we, mama we, ble mama we, ale gbe gbe, ale gbe gbe, Yisra ma we. Nous prenons des personnes qui bakoudo pas son bien subo subo. Bible gbe la maudi ni na le subo subo be kapopo me. Mais il descend au milieu des adorations. Subo le kapopo ya. Attends-le en ce moment. Et la bena mo vois c'est bien bien tichina. Nous tu vois c'est bien bien tichina so subo subo ni amale de kere ya. Si elle si que be gbe la mais que me va na be ku be toju na le que be le voir. Tu ne viens pas dans le descend. Ouais c'est bien trop trop patade là bas gbe. Subo le kapopo ya. Attends-le seulement ce matin. Attends-le seulement. Alegbegbeneji Metona gbere o
benedi metona agbere ble mama we Hi.
I have no other God but you. I have no other God but you. Oh, yes, sir. You have done what no man has done, and you will do what no man can do. That's true. You have done what no man has done, and you will do what no man can do. I have no other God but you. Le Dieu de toute capacité. Le Dieu qui est toi qui es suprême. Toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Oh, le Dieu souverain, suprême, Rabba Sakata la Magaria. Qui accomplit ce que ta bouche déclare. N'est-ce pas ce matin? Rembra Sukete le Magaria. Meka,
Jesus.
Leo Fiazi Bilanco Oh Ramasandia Lady Dora Odi Le Machanda La Bragadia Le Blitona Oh That's true, that's true. Dola Ho Popu Leo Fiazi Bilanco Lady Dom Vrido Nao Dolao Leo Fiasi Milano Dom Oh Rabakatia Lady Dom Vrido I can feel your presence, Lord. Rakasete lebo ya mama mama mama. Limbra soka tala brasa. Rakaya mama sekete limbra kanya. Kura masane. Le grace. Mama 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 mama. Le mashanda la brasa. Zebra soka. Rakata bo sekere bo ya masa koya ya 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 ya. Libra sekete limbra katuri masanda la brasa. Les grâces, jaillissent. Il y a la pluie du Saint-Esprit ce matin. Il y a la pluie du Saint-Esprit ce matin. Il y a la pluie du Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit descend, il descend, mes bénévoles.
Il est là, il te met des grâces. Il te met sur le feu. Il donne l'onction, l'huile. Au rabat, la bracadilla. Il distribue les dons gratuitement ce matin. Il distribue les dons gratuitement ce matin. Il donne le fruit à ceux qui en ont besoin. Il donne la paix, la joie à quelqu'un. Il donne la paix, la joie à quelqu'un. Il donne la beauté à quelqu'un. Il donne la patience à quelqu'un. Il donne la miséricorde à quelqu'un. Il distribue la bracadore, la bracadilla. Yeshua, Yeshua, Yeshua. My beloved, beloved.
Jesus. Oh, have your way, my Lord. Have your way, my Lord. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Have your way. Thank you, Holy Ghost. Have your way. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Le Seigneur est en train de guérir le bras droit de quelqu'un à partir du poignet jusqu'au niveau de du coude. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un d'une douleur très intense. Alléluia. L'ange de l'Éternel se pointe à côté de toi et il touche le bras là actuellement, ton bras droit. La douleur qui est dans le bras là, la douleur là disparaît instantanément. Toi qui as cette douleur, une douleur très intense, un ange de Dieu te touche avec ses doigts. L'ange de l'Éternel te touche maintenant. Et la douleur là disparaît. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. La douleur là n'est plus. Maux de tête chronique. Dieu guérit les maux de tête chroniques. Maux de tête qui ne finit jamais. Dieu guérit maintenant. Dieu guérit maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Dieu dépose un feu sur la langue de quelqu'un. Le feu la tombe sur ta langue. Je vois le feu tomber sur la langue de quelqu'un. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Une langue est déliée. Une langue est déliée maintenant. Une langue est déliée. Pour parler de la part de l'Éternel. Le feu tombe sur cette langue. Recevez ce feu-là. Recevez ce feu-là. Recevez ce feu-là. Que ta langue soit purifiée. Et qu'elle parle de la part de l'Éternel. C'est le don de prophétie que le Seigneur a déposé sur la vie de quelqu'un. Le feu-là vient purifier ta langue. Et ta langue se délie. Chakatatatatata. Nous ramassons que tu es libre à garder. Pour nous, démancer au bain. Quand on vient vers Dieu, c'est pour écouter sa parole. Pour nous, démancer. Faut faire ma way. Ouais, pour nous blé ma tombe de la vie. Pour nous, démasser, ouais. Pour nous, démasser, ouais. La massacre la bracadia. Pour nous, démasser. Faut faire ma way, ouais, pour nous plaire, les matos, les viagis, pour nous évancer. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as ouvert nos yeux, nos oreilles, tu as délié nos langues. Merci parce que tu as distribué des dons ce matin. Merci parce que tu as habillé ce peuple avec des vêtements nouveaux. Merci parce que tu as changé les conditions de vie des gens. Et tu nous as donné des trônes royaux. Oh, Rabba Sakata Labragaria. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Acclamez toute fois pour le Saint-Esprit. Gros musical, que le Seigneur vous bénisse. Pour vraiment vous monter spirituellement chaque dimanche. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, prenez place, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la main des élus, ceux que Dieu a choisis. Vous êtes une race royale, une race royale, une race royale. Vous êtes une race royale. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a donné des vêtements royaux le vendredi nuit. Et il nous a donné les clés pour ouvrir les portes qui sont dans son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans le nouveau mois. Et le mois là s'appelle
les bénédictions surnaturelles pour la domination. Alléluia. Donc très rapidement ce matin, je vais te parler sur un petit thème, la puissance de la bénédiction de Dieu. La puissance de la bénédiction de Dieu. Pourquoi l'église a besoin d'être bénie par Dieu? Pourquoi tu as besoin d'être bénie par Dieu? Alléluia. Amen. Parce que il y a un ennemi derrière là-bas qui te maudit chaque jour. Alléluia. Amen. Dieu lui, il donne la bénédiction. Mais Satan, qui est l'ennemi juré de Dieu, lui, il est là pour maudire chaque jour. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois toujours chercher la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Proverbe 10, verset 22 dit ceci. Proverbe 22, verset 10. Proverbe 10, verset 22. Yeah. Proverbe 10, verset 22. Écoutez ce que dit la parole. Seigneur, merci ce matin. Quand ta parole est encore de sortie, viens et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, inspire cette parole et que la parole apporte des effets dans la vie de ce peuple. Seigneur, utilise ma langue que comme tu ne l'as jamais fait. Et pour bénir ce peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu enrichit. Et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quand tu vas chez Satan, si Satan te bénit, il y a des chagrins. D'ailleurs, il ne bénit pas, il vole la bénédiction de quelqu'un, il te la donne. Et après, il y a des conséquences négatives qui s'en suivent. Dans la Bible dit, si nous voulons la vraie bénédiction, c'est de demander à Dieu car sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Lisons Psaume 67, le verset 7 à 8. Psaume 67, le verset 7 à 8. Psaume 67, le verset 7 à 8. Alléluia. Qu'est-ce que la parole déclare? La parole dit, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Alléluia. Amen. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Amen. Le verset 8, c'est comme si vous n'avez pas le verset 8, mais moi, je l'ai dans ma Bible. Alléluia. Amen. Je l'ai dans ma Bible. Le verset 8 dit, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Peut-être que quand tu vas lire, bon, in English, we have it in English. God will bless us and all the ends of the earth will fear him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui me dit quoi? Que c'est Dieu qui bénit. Et quand Dieu bénit, la terre donne des produits. La terre donne ses richesses. La terre donne sa graisse. Vous vous rappelez que Dieu a dit à Caïn, comme tu as tué ton frère, la terre ne te donnera plus ses richesses. C'est que la terre a des richesses. Donc quand Dieu bénit quelqu'un sur la terre, la terre ouvre sa bouche et vomit ses richesses. Alléluia. Amen. Vous pouvez être ensemble sur un même territoire. Certains sont bénis et d'autres ne sont pas. Parce que Dieu les a bénis et la terre a ouvert sa bouche pour vomir les bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce mois, nous allons prier pour que Dieu nous bénisse et que la terre américaine ouvre sa bouche et vomisse ses richesses pour nous. Alléluia. Retournons un peu en arrière. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de notre patriarche Abraham. Quand
Quand vous lisez Genèse 11, Genèse 11, à partir de verset 28, Genèse 11, à partir de verset 28, la famille d'Abraham était maudite. Les gens meurent prématurément. Alléluia. Amen. Il y avait la stérilité. Les gens, ceux qui, il y a certains qui sont en vie, mais ils ne valaient rien. Quand ils commencent des projets, ils n'achèvent pas. Ce sont les malédictions qui pesaient sur Abraham. Alléluia. Amen. Écoutez, Genèse, on dit. Donne-nous la version franc. Bon. Et Aram mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance. Comment le fils peut mourir en présence de son père? Malédiction. Parce que Terach était un charlatan. Le père d'Abraham. Le père d'Abraham était un charlatan. Maintenant, son fils meurt à sa présence. Quand vous continuez un peu la lecture. Continuez un peu la lecture. On va aller au verset 30. Au verset 30, à cause du temps. Alléluia. On dit Saraï, qui est la femme d'Aram, était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Stérilité dans la famille. Et Corodo le faut, mais amen. Nous avons vu ça, cela a jailli sur Isaac aussi. Rebecca aussi était stérile pendant des années. Alléluia. Au verset suivant. Verset suivant, alléluia. On dit, Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble, d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils y habitaient. Leur objectif, c'est d'aller sur la terre de Canaan. Mais quand ils étaient arrivés à Charan, ils se sont arrêtés. Le verset 32, qu'est-ce qui s'est passé à Charan? On dit, les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Il voulait aller à Cana. Mais il est mort en chemin. C'était la malédiction. Mais je viens prophétiser sur quelqu'un. Dans ce mois de février, la stérilité ne te dominera plus. La mort prématurée ne va pas te frapper. Je dis, les problèmes vont s'éloigner de toi. Tu ne vas plus souffrir. Les malédictions vont disparaître. Au nom puissant de Jésus. Donc la famille d'Abraham était caractérisée par des malédictions. Jusqu'au jour où Dieu l'a rencontré. Dans le chapitre 12, Genèse 12, le verset 1 à 3, il dit, Abraham, sors maintenant de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Sors de la famille. Je vais t'amener dans un territoire. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Des rois sortiront de toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Tous ceux qui te béniront seront bénis. C'est ainsi que Dieu est venu bénir Abraham. Et depuis ce jour, la malédiction a été arrêtée. La mort prématurée n'était plus. Il a enlevé la stérilité. Abraham a donné des enfants. Alléluia. Il a donné des enfants. Il est devenu riche. Genèse 13, verset 2 dit. Genèse 13, 2. Abraham était riche en or et en diamant. Il n'est plus pauvre. Parce que Dieu l'a béni. Parce qu'il est sorti de la famille. Il est sorti des maîtres des esprits de famille. Il est sorti de son village. Les témoins territoriaux de son village ne le dominaient plus. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un que dans ce mois de février, tu es délivré de toutes sortes de malédictions. Et tu ressens la bénédiction. De Dieu. Tu reçois la bénédiction de Dieu. La sérénité n'a plus. Les malédictions ne sont plus. Les problèmes ne sont plus. La maladie n'a plus. La pauvreté n'a plus. Reçois seulement la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous ai dit que cette année, c'est la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je vais vous démontrer ce que c'est que la bénédiction. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. La bénédiction, c'est l'argent. Non. Tu peux avoir l'argent, être maudit.
Les secteurs ont beaucoup d'argent, mais ils sont maudits. Et tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui ont l'argent, ils sont maudits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire cette lecture et je vais vous donner les bénédictions, bien les profits de la bénédiction. Quand Dieu te bénit, quels sont tes profits? Lisons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Je sais pas, Balin. À partir de verset 2. Et tabla fevoni, ou bien ils ont parlé de verset 1. Vous êtes nombreux à partir de verset 1. On va lire rapidement et je vais vous donner les profits qui sont dans la bénédiction de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Ça commence déjà. Le verset 2. Le verset 2 dit : voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. On dit voici toutes les bénédictions. On va commencer maintenant. Alléluia. Amen. C'est à toi-même de choisir les bénédictions que tu veux. On te la tient. Alléluia. Le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans quelle ville? Ville de Moline. Moline. Donc, je serai béni à Moline. Je serai béni dans mon lieu de travail. Le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Autrement dit, les œuvres de tes mains seront bénies. Tes enfants seront bénis. Ce sont les fruits de tes entrailles. Le verset 5. Le verset 5. Les bras sous qui étaient les bras cadiens. Ta corbeille et ta ruche seront bénis. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as plus de corbeille, tu n'as pas de ruche. Ta corbeille et ta ruche, c'est tes comptes bancaires. C'est là-bas tu caches l'argent, c'est ça non? Alléluia. Amen. La Bible dit, tes comptes bancaires seront bénis. Ah, dis-moi bon amen. Le verset 6. Amen. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Amen. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvera contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Il y a des bénédictions commandées. Elles t'attendent, elles sont déjà là. Mais dans ce mois, à partir d'aujourd'hui, Dieu va les commander. Elles vont te suivre. Elles vont te raconter. Même dans ton lit, sur ton lit, elles viendront tomber sur toi. J'ai dit, elles viendront tomber sur toi. Moi, je le prophétise. Je le déclare seulement. Peuple de Dieu, dis seulement Amen. Quand Dieu veut bénir, tu ne vas pas l'écouter parler. Mais il envoie toujours un homme pour le déclarer. Il dit à Moïse, dans Nombre 6, à partir de verset 22, il dit, dis à Aaron et à ses fils, voici comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Vous voyez ça? Donc quand Dieu veut bénir, il met des paroles dans la bouche de quelqu'un. Donc j'ai ces paroles ce matin pour te bénir. Alléluia. Amen. Il dit, il y a des bénédictions commandées. Donc ce matin, je viens envoyer ces bénédictions dans ta vie. Toutes bénédictions que tu as réservées pour toi dans ce mois de février. Pour ton existence dans ce monde. Que les bénédictions soient relâchées au nom de Jésus. Les bénédictions de santé. Les bénédictions de liberté. Les bénédictions de mariage. Les bénédictions de prospérité. Les bénédictions de réussite. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu les a déjà relâchés. Maintenant, il faut qu'un homme vous les relâche aussi. Alléluia. Amen. On continue avec notre verset. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, oh, on donne la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Et tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies,
Un peuple saint, un peuple élu, un peuple choisi de Dieu. Alléluia. Maintenant, le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit, on t'appellera d'un nouveau nom. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Quel est ton nom aujourd'hui? Quel est le nom de la malédiction que l'ennemi t'attribue? Je viens changer ce nom au nom de Jésus. Dieu te donne un nouveau nom. Le nom de gloire. Le nom de grâce. Le nom de réussite. Le nom de succès. Reçois ce nom au nom de Jésus. Si les gens t'appelaient célibataire, aujourd'hui moi je t'appelle marié. Si les gens t'appellent stérile, je viens t'appeler fécond. Si les gens t'appellent pauvre, je viens t'appeler riche. Si les gens t'appellent maudit, moi je viens t'appeler béni de Dieu. Reçois la puissance de Jésus. Quel nom les gens t'attribuent? Je change ce nom par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens t'appelleront d'un nouveau nom et ils te craindront. Le Seigneur va te donner un nom qui fera peur aux gens. Quand les gens vont attendre ton nom quelque part, ils vont s'enfuir. C'est de ça qu'on parle. Le temps viendra. Quand les gens attendront parler du pasteur Émile, ils vont se taire. Ça, je ne suis pas orgueilleux, mais je sais de quoi je parle. Tu dis qu'on dit que c'est le pasteur Émile qui arrive, tu vas te taire. Tu vas te taire. Les démons vont s'enfuir. Les bras sous qui étaient des kata. Que cela soit ainsi pour vous. Que cela soit ainsi pour quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et d'ailleurs, ils ont déjà peur. Je sais ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue notre lecture. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le verset qui suit dit? Le verset 11, je pense. On dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, Amen, dans tout le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Et le verset 12 dit, on va te combler de richesses. Le verset 12 dit quoi? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Amen. L'annulation des dettes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on peut vivre aux États-Unis sans les dettes. Sans être endetté, vous savez ça? Si, madame, amen là. Alléluia. Oui, moi je crois à ça. Le temps viendra, tu vas acheter des voitures cash. $20, $30, cash, je dis cash. Parce que quand l'Éternel te bénit, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le verset 13 dit? Vous serez la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, Amen, il dit, vous serez toujours en haut. Vous, les élus de Christ, à partir de ce mois, la main de Dieu vous élève. La main de Dieu vous élève. Vous n'êtes plus la queue, mais vous êtes la tête. Vous n'êtes plus en bas, mais vous êtes en haut. C'est ça la domination. Quand Dieu te bénit, c'est la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Je veux que vous croyez à ça. Vos enfants seront toujours premiers dans leur classe. Alléluia. Amen. Bénédiction, c'est quoi? Donne-moi 5 minutes et on finit. La bénédiction de Dieu signifie seulement la joie, la paix que produit l'espérance et la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. La bénédiction de Dieu signifie d'expérimenter la compassion, la miséricorde, la bonté de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu est la parole ointe ou inspiré de Dieu, relâché ou bien déposé sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu l'a béni et Dieu dit, soyez fécond. Multipliez, assujettissez la terre. Et dominez toute la terre. C'est des paroles relâchées sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen.
Quand tu as cette parole sur ta vie, tu es béni. Alléluia. Amen. Quand tu as la parole de la bénédiction de Dieu sur ta vie, ta vie devient fructueuse. Alléluia. Amen. Donc, tu vas te donner quelques profits et on se lève. Quelques profits de la bénédiction de Dieu. Quand quelqu'un porte la bénédiction de Dieu, la première chose dont nous bénéficions, quand il y a la bénédiction de Dieu sur notre vie, la bénédiction élimine nos douleurs. Élimine les douleurs, les angoisses. Alléluia. Quand la bénédiction de Dieu vient sur toi, elle élimine les douleurs, les angoisses. Parce que la Bible déclare tout à l'heure que quoi? La bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand elle vient, elle élimine les problèmes que l'ennemi a déposé dans ta vie. Je prie ce matin que la puissance de la bénédiction de Dieu élimine les chagrins de quelqu'un, élimine les problèmes de quelqu'un. C'est l'exemple de Jabez. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. La Bible dit sa vie était douloureuse. Le nom même signifie douleur. Parce que sa maman l'a enfanté dans la douleur. Et Jabez a crié à l'Éternel. Et il dit, si tu changes ma vie, si tu me délivres des malheurs. Et la Bible dit, Dieu a changé sa vie. Et la Bible dit, Dieu l'a guéri. La douleur a quitté sa vie. Il a vécu heureux. Il a vécu heureux. Il a retrouvé la joie. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toi qui vis dans la douleur, toi qui vis dans tes angoisses, ce matin la bénédiction de Dieu tient sur toi. Tu sors de ta douleur. Tu sors de ta pleure. Tu sors de ta problème. Reçois le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça la bénédiction de Dieu. Tu l'as, les douleurs sont éliminées. Abraham a vécu la même chose. Abraham, quand il pleurait son père, quand il pleurait pour son frère, Dieu l'a raconté, l'a béni. Et les malheurs sont partis. Alléluia. Deux. La bénédiction de Dieu détruit les malédictions causées par l'ennemi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit dans Exode 23, verset 25? Exode 23, verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel. Et il bénira vos pères. Il bénira vos os. Et il éloignera de vous toutes sortes de maladies. Maladie, c'est malédiction. Alléluia. Donc tu sers l'Éternel, il te bénit. Et qu'est-ce que la bénédiction l'a fait? La bénédiction la chasse les malédictions. La bénédiction chasse les maladies. Recevez la bénédiction ce matin. Que les maladies disparaissent. Que les malédictions disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ouais, la bénédiction, c'est un esprit. Mais il y a un ange qui s'appelle bénédiction. Quand il vient pointer avec toi, tout ce que tu fais, tu réussis. C'est pas dit, j'entendrai à la bénédiction d'être avec toi. Autrement dit, je vais parler à l'ange de bénédiction. Il va demeurer avec toi. Alléluia. Amen. Trois. La bénédiction de Dieu éloigne la famine et la sécheresse. Celui qui porte la bénédiction de Dieu ne connaît pas la sécheresse. Ne connaît pas la famine. L'inflation peut être à son haut niveau. Toi, tu vas vivre normalement. Alléluia. Amen. Jérémie 17, verset 7 à 8. On nous a fait ça rapidement. Jérémie 17, verset 7 à 8. Oui, André. Jérémie 17, alléluia. Amen. Rapidement, qu'est-ce que la parole dit là-bas? J'aime trop ce passage, alléluia. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Maintenant, le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Le courant, c'est toujours les eaux. Le fleuve. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Amen. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen.
Tu te confies à Dieu. Tu deviens un arbre près des fleuves d'eau vive. Il peut y avoir la sécheresse. La famine dans le pays. La Bible dit que toi, tu porteras toujours des fruits. Tu vas toujours réussir. Si tu es commerçant, quand les gens ne vendent pas, toi, tu vas vendre. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Alléluia. C'est de ça la Bible parle. Quand les gens ne réussissent pas dans le territoire, toi, tu vas réussir. Parce que tu portes la bénédiction de Dieu. Je déclare sur les élus du Christ. Dans cette période d'inflation, vous recevez la pluie du ciel. Vous allez planter au bord du courant d'eau. Vous allez porter de fruits en toute saison. Vous allez toujours réussir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Quatre, qu'est-ce que la bénédiction l'a fait encore? C'est l'exemple d'Isaac, non? Dans la famine, il a semé, il a récolté, il est devenu fort riche. Alléluia. Genèse 26, 12. Alléluia. Amen. C'est ça l'évidence, c'est réel ce que je vous dis. Nous allons l'expérimenter aussi. Quand les gens seront en train de crier, nous les élus du Christ, nous allons vivre dans l'abondance. Les gens demanderont comment est-ce que vous faites. Et nous leur dirons, nous avons fait, nous avons placé notre confiance à Dieu. Il est notre espérance. Alléluia. La bénédiction de Dieu, 4, la bénédiction de Dieu donne l'abondance, la multiplication et des richesses. Psaume 65, verset 10, dit quoi? Salomon. Il visite la terre, il lui donne l'abondance. Il comble de richesses. Alléluia. Amen. Et Deutéronome 28, verset 11 dit quoi? On a lu ça tout à l'heure. Il te comblera de richesses. Il t'ouvrira son trésor, le ciel, pour te donner la pluie en son temps. Alléluia. Donc la bénédiction de Dieu fait quoi? Donne l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance? Connaissez quoi la bénédiction de Dieu? 5, la bénédiction de Dieu nous donne la paix et le repos dans le territoire. La paix et le repos. David dit, Psaume 23, verset 1 à 2. David. Salomon. David blonde, Salomon pas dans les mains. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il conduit mes pieds dans des eaux paisibles. Donc, si tu as besoin de Dieu, tu es avec toi. Tu es toujours dans le lieu de repos. Là où il y a des pâturages. Alléluia. Il te conduit dans des eaux paisibles. Là où tu trouves la paix. Quand les gens seront angoissés. Toi, c'est la paix, c'est la réjouissance dans ta vie. À cause de la bénédiction de Dieu. Quelqu'un reçoit cette bénédiction ce matin. Alléluia. La bénédiction de Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Je vais m'arrêter là-bas. On va continuer le dimanche prochain. Deutéronome 28, verset 16 dit quoi? Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Car ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront par cet chemin. Quels sont les ennemis là qui t'attaquent? Quels sont les vents et marins là qui t'attaquent? Dieu dit ce matin qu'il te bénit. Il place sa bénédiction sur toi. Tes ennemis s'enfuient. Tes ennemis s'enfuient. Tes ennemis s'enfuient. Tes ennemis s'enfuient. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Amen. Je t'ai donné 7 profits de la bénédiction de Dieu. Moussa et... C'est combien? C'est 6. 6. Il y a dans la bénédiction de Dieu, nous donne quoi? La victoire, c'est ça, c'est 6. Ok. Il reste 4 pour le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Alléluia, à cause du temps, alléluia. Donc la bénédiction de Dieu te donne quoi? La victoire sur tes ennemis. La bénédiction de Dieu éloigne la sécheresse, la famine, la chaleur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier une seconde? Élevez les deux mains, commencez par louer le Seigneur. Parce que dans ce mois, la bénédiction de Dieu va parler. Est-ce que depuis là, on a cité l'argent? Alléluia.
Et on dit, nous prêchons, on vous prêchez toujours la bénédiction à l'église. On ne prêche pas la bénédiction. Le Satan va toujours nous maudire. Vous allez voir les 4 autres que je vais donner. J'en ai jusqu'à 15, mais je vais vous donner seulement 10. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu nous impacte la sagesse pour réussir dans ce monde. Dieu bénit Salomon dans sa vision. Il se réveille, il devient sage. Et il a dominé. Alléluia. Et les gens ne veulent pas qu'on prêche la bénédiction dans l'église. Si je ne te dis pas que Dieu bénit, qu'est-ce que je te dirai? Il bénit avec la santé. Il bénit avec l'argent. Il bénit avec le succès. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Les mains. Yesu duzinami fiawo di fia e duzinami e duzinami e la Yesu duzinami fiawo di fia. Edu dinami, edu dinami, edu dinami, Yesu edu dinami, oh tia wo di tia, tia wo di tia du tia, edu dinami lo, edu dinami. Awo de la Yesu adu dinami, tia wo di tia, edu dinami. La Bible déclare dans Ephésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et comment ces bénédictions-là se réalisent? Galates 3, 13 à 14. La Bible dit Jésus a détruit nos malédictions sur la croix. Et le verset 14 dit, afin de nous connecter à la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Donc la croix de Christ, le sang de Jésus, c'était la solution pour détruire les malédictions et nous connecter à la bénédiction de Dieu. Pour cela, tout le monde, nous allons prier cette prière. Là, moi, Dieu, mon Père, ce matin, je me connecte à la puissance de la croix de Jésus. Et que toutes les malédictions qui pèsent sur moi, que tous les problèmes qui pèsent sur moi, que tous les jours qui pèsent sur moi, soient brisés par la puissance de la croix. Sois brisé par la puissance de la croix. Et que je sois connecté à la bénédiction d'Abraham. Que je sois connecté à la bénédiction d'Abraham. Et l'état accompli ce matin. Et l'état accompli ce matin. Que la croix de Christ bénédise les malédictions, les problèmes, les jougs que Satan a déposé sur ta vie. Qu'il soit brisé. Que la croix le brise. Que la croix le brise. Les maladies héréditaires, les maux prématurés, la pauvreté, la stérilité, les saliments, que la croix la brise, que la croix la brise, et que tu reçois la bénédiction, que tu sois connecté maintenant à la bénédiction d'Abraham, que le Saint-Esprit te connaisse à la bénédiction d'Abraham, que l'Esprit de Dieu te connaisse à la bénédiction d'Abraham. C'est le mois de ton changement. C'est le mois de ton changement. Ah, tu ne reçois pas bien. Je dis le mois de février. C'est le mois de ton changement. Parce que la bénédiction viendra faire de grandes choses dans ta vie. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. La bénédiction de Dieu. Donc, avec les 6 points là, arrivez ce soir à la maison. Avant d'aller au lit, confessez-les. Vous vous réveillez le matin, confessez-les. Que Dieu dépose ta bénédiction sur moi. Que les douleurs soient éliminées.
Que la sécheresse soit arrêtée. Que les malédictions disparaissent de ma vie. Que la pauvreté ne trouve plus sa place dans ma vie. Alléluia. Tu diras, Seigneur, par ta bénédiction, donne-moi la paix et le repos. Donne-moi l'abondance, la réussite dans tout ce que je fais. Et tu vas voir ce changement. Ne gardez pas seulement dans vos cœurs, mais lisez, confessez. En confessant, on déclare ça. Et l'ange de bénédiction va écouter et il va agir. Alléluia. À présent, nous allons monter à la table du Seigneur. Ceci va t'aider à concrétiser cette grande bénédiction. Parce que quand nous devenons un avec Jésus, dans la prise de sa chair et de son sang, toutes les bénédictions qu'il a, nous les recevons. Car la Bible déclare, il s'est fait pauvre pour que nous nous devenions riches. Ah, vous n'avez pas compris. Il a dit, Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Et comment on peut recevoir cette richesse? En prenant la chair et le sang qui est le Seigneur Jésus lui-même. Donc tu portes Jésus, tu portes la gloire, tu portes la richesse, tu portes la bénédiction. C'est pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous réunirez, il dit, dans Jean 6, il dit, je suis le pain de vie qui est tombé du ciel. Celui qui me mange ne mourra plus, mais il aura la vie. Et le sang que je vous donne, c'est le sang pour la vie éternelle. C'est le sang pour la prospérité. C'est le sang pour la réussite. Pour cela, ce matin, tu vois, nous allons monter à cette table. La Bible dit, le soir là, il a pris le pain et il a montré à ses disciples en disant ceci. Voici, ceci est mon corps qui sera donné pour vous. Quiconque en mangera ne périra point, mais il aura la vie. Et la Bible dit, après cela, il a pris la coupe et il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance, mon sang qui sera donné pour vous. Et quiconque en prendra ne mourra plus, mais il vivra. Il ne périra pas, mais il sera béni. Il sera béni. La mort ne va pas le dominer. Parce qu'il dit dans Hébreux 2, verset 14, que lui-même, il a participé au sang afin de détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, en prenant la chair et le sang ce matin, Jésus est en train de détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Il est en train d'anéantir celui qui a la puissance sur toi. Et il te donne la domination parce que tu reçois la bénédiction de Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes là et en train de respecter tes dernières paroles. Accomplis maintenant ta fidélité au milieu de nous. Que le peuple soit délivré des malédictions. Et que en même temps le peuple soit connecté à la bénédiction d'Abraham. Quiconque en prendra, Seigneur, que sa vie change radicalement. Que sa vie change radicalement. Et que les témoignages prouvent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons monter à cette table du Seigneur. Alléluia. Ma chère de Christ. Alléluia. Et ma kata. En prenant la chair et le sang, parle à ton Dieu. Dis-lui ce que tu veux qu'il te fasse dans ce nouveau mois de février. Agbebolo, Yesuenya agbebolo, la agbebolo, la agbebolo, Yesuenya agbebolo. Lola, agbebo lola. Amesi ke la dui. Doma via bo. Amesi ke la dui la. Oh, Lord.
que vous mangez change votre corps. Les maladies qui sont dans vos corps disparaissent aujourd'hui. Les problèmes qui sont rattachés à vos corps disparaissent aujourd'hui. Et le sang la purifie vos sangs. Le sang de Jésus coule dans vos âmes, dans vos veines. Plus de malédiction parentale. Plus de malédiction parentale. Plus de malédiction héréditaire. Parce que vous recevez la vie de Christ. Vous recevez la vie de Christ. Les maladies du diabète sont tuées. Les hémorroïdes sont tuées. Les fibromes sont tuées. Les hématies sont tuées. Les hépaties sont tuées. Les cancers sont tués. Recevez la guérison au nom de Jésus. Les problèmes de Dieu sont guéris par le sang de l'agneau. Papa, merci parce que c'est fait. Les plaies qui sont dans les ventres sont cicatrisées. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Acclamez tes fois pour le Seigneur. Alléluia. Et nous allons faire la deuxième offrande. 5 minutes. Bena wo de kaye nye mawo si mo tipo atia fu planiba maso bawo ye ma fome ma tiha akafu won ko aglo bena wo de Amen. Et bien, donc, je dis que l'enveloppe est le 31 décembre. Je dis que je suis en train de faire des choses. Je dis que je suis en train de symbolique des choses. Donc, je dis que je suis en train de participer. Et nous, je dis que je suis en train de faire des choses. Je dis que je suis en train de faire des choses. Alléluia.
Amen. Programme le mercredi, cuit de guérison et de délivrance, de midi à 13h. Vendredi, veille de prière, à partir de 01h, nous sommes là. Vous qui ne veillez pas à la veillée, cette année, changez de comportement. Venons à la veillée. J'ai eu un témoignage le vendredi passé. Amen. Donc, vendredi, il y a la veillée. Et le dimanche, le cuit, c'est à 10h30. Je ne sais pas si j'ai oublié. Le dimanche, nous allons vous lire la perspective de l'année, le programme sur l'année. Tout ce qui va se faire durant l'année, nous allons vous présenter ça le dimanche prochain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, il y a quelque chose que nous avons annoncé le dimanche passé. Certains ont commencé concernant notre hôtel. Alléluia. Si nous voulons faire vite et faire la dédicace de ce building, nous devons contribuer. L'œuvre de Dieu, c'est l'argent. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à court d'argent et nous avons besoin de l'argent pour finir le projet. Alléluia. Donc, on ne vous exige aucun montant, mais marquez les pas de volonté. Nous avons besoin de l'aide de tous les membres de l'Église. Je vais donner 500, je vais donner 200, je vais donner 1 000 $. Je vous ai dit qu'on a déjà un creux de 2 000. C'est plus 500, ça va être 3 100 maintenant. Le creux que nous avons, c'est 3 100 $. Alléluia. Que nous avons. C'est pourquoi vous voyez que le travail s'est arrêté pour le moment. Est-ce que c'est bon que le travail de Dieu s'arrête? Alléluia. Alléluia. Ça me dira à chaque fois de dire donner de l'argent, mais il le faut. Je vais toujours dire ceci. Dans cette période, on en a besoin. Alléluia. 500 000 $. Faites-le, c'est le moment d'investir dans la maison de Dieu et vous allez beaucoup récolter. Alléluia. Donnez seulement, ne réfléchissez pas. 500 $, 1 000 $, 2 000 $, je vais donner pour que l'œuvre de Dieu avance et ta vie aussi va avancer. Alléluia. Donc, le dimanche, avant le dimanche prochain, faites quelque chose pour qu'on puisse régler même ceux qui travaillent pour nous. Alléluia. Ceux qui sont en train de faire l'hôtel, on leur doit maintenant de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas bon. L'église, c'est une église. L'église, c'est comme la banque de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc, faites quelque chose pour qu'on puisse éponger, je dirais, cette dette. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un des cerveaux, ceux qui construisent l'hôtel, le frère, il nous a visité, il est derrière là-bas, acclamé le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Il est là, c'est eux qui construisent l'hôtel et ils sont en train de faire de bons plans. Alléluia. C'est quand nous allons finir que vous allez voir, ah, vraiment, ils ont fait un grand travail. Alléluia. Demain, nous allons demander le prix des moquettes. Les moquettes qu'on veut payer pour couvrir. Nous allons demander le prix avec les mains de retour, tout. Alléluia. Et nous comptons sur vous. Nous tous, nous comptons sur Dieu, mais sur la terre, nous comptons sur vous. Faites des gestes pour que le travail puisse avancer. Et pour ceux qui ont déjà donné le dimanche passé, j'ai appris que certains ont donné 500 $. C'est déjà bien. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu va toujours vous récompenser. Au nom puissant de Jésus. À présent, élevez les deux mains. Alléluia. Oh, Ramasak.